Bonjour les artistes et bienvenue pour ce cours à distance. Comment représenter le mouvement en une seule image ? Voilà une question qui a préoccupé les artistes depuis le tout début de l'art. Car avant que ne soit inventé le cinéma, il n'y avait pas d'autre choix, on ne pouvait passer que par l'image fixe. Autrement dit, un dessin, une peinture, une sculpture ou un peu plus tard, une photo. Commençons par nous demander ce que peut bien signifier le mouvement, car ça semble évident au prime abord et pourtant. Seriez-vous capable de me donner précisément la définition du terme mouvement ? On pense au geste, à quelque chose qui bouge, donc qui s'oppose à quelque chose de fixe, pas si facile finalement. En fait, le mouvement désigne un changement de position dans l'espace. Que ce soit un corps ou un objet, qu'il soit en entier ou juste en partie, dès lors qu'il y a un déplacement d'un point A à un point B, alors il y a mouvement. Le mouvement est donc une action, il se passe quelque chose, dans un espace défini. Il peut être lent ou rapide, saccadé ou fluide. Alors, montrer le mouvement, c'est quoi ? C'est représenter plastiquement les notions de vitesse, de déplacement, d'action, de dynamisme, à l'aide de procédés artistiques tels que le flou, la superposition, la décomposition et des graphismes. Une première technique pour représenter le mouvement consiste à jouer sur les positions et les attitudes. Mettre l'accent sur les gestes et les corps va renseigner le spectateur sur l'action en cours. D'autres indices vont y contribuer, les vêtements qui flottent, les cheveux qui volent, les expressions faciales. Typiquement, dans Vénus montrant ses armes à Énée, le mouvement est suggéré notamment par la position du corps, en diagonale, et à la mèche de cheveux qui flotte. Parfois, lorsque l'on veut suggérer un déplacement, un mouvement, on peut opter pour la technique plastique de la répétition. Observez cette peinture. Voyez comment les attitudes des personnages sont répétées. Tous se projettent vers la diagonale gauche, dans des postures identiques, en train de se hâter en marchant. C'est cette répétition des mouvements qui amplifie l'action et met en valeur le mouvement général dans la scène représentée. Pareil ici, c'est le foisonnement des chiens qui s'agglutinent sur le pauvre cerf, les courbures de leur queue, leur position quasi identique, bref, la répétition de tous ces éléments qui fait que tout est mis en place pour montrer que l'image représente une action en mouvement. Bien avant l'invention du cinéma, et même de la photographie telle que nous la connaissons, il y a eu une technologie révolutionnaire qui a permis de littéralement décomposer le mouvement sur une seule image. Il s'agit de la chronophotographie. C'est une technique utilisée par les scientifiques du 19e siècle pour étudier les mouvements de la marche et du vol. Elle utilise un zoopraxiscope, un dispositif qui projette sur grand écran une succession d'images. Alors d'accord, c'est un peu de la triche puisque c'est presque du cinéma, autrement dit de l'image animée. Mais en fait, cela a largement inspiré des artistes comme Marcel Duchamp avec son nu descendant l'escalier. Une peinture qui réutilise l'idée de la chronophotographie en représentant sur une même surface un corps en mouvement. Certes, cela ne ressemble pas à un corps, en fait il est stylisé. C'était surtout le mouvement qui intéressait Marcel Duchamp pour ce tableau. Et 40 ans plus tard, Elliot Elizondson reconstituera l'œuvre en mettant en scène l'artiste dans la photographie Marcel Duchamp descendant l'escalier.
Poursuivons notre découverte des différentes techniques permettant de représenter le mouvement dans une image fixe avec ce que l'on nomme la composition dynamique. La composition d'une image, c'est la façon dont sont disposés l'ensemble des éléments la constituant. On peut parler de composition symétrique, asymétrique, équilibrée, déséquilibrée, verticale, horizontale, statique ou encore dynamique. Et c'est précisément la composition dynamique qui nous intéresse. C'est une façon subtile mais efficace de suggérer le mouvement et elle a été très appréciée du 16e au 19e siècle. Une composition dynamique, ce sont des éléments organisés sur une ou plusieurs diagonales, un cercle ou une spirale. Cela guide l'œil du spectateur et lui donne la sensation d'une action dynamique à l'intérieur de l'œuvre. Ce tableau en est un exemple parfait. Mis à part la colonne et le bâtiment derrière les protagonistes, qui sont stables et verticaux, le reste de l'image est un foisonnement organisé autour d'une ligne oblique. Elle part du regard de la femme à terre jusqu'à celui de l'empereur sur son cheval. D'ailleurs, la dynamique de cette ligne est accentuée par le contraste entre l'ombre et la lumière, un peu comme si elle servait de frontière. Ici, la composition dynamique est circulaire. Tout s'articule autour d'une folle farandole des angelots. On retrouve cette dynamique du cercle dans le tableau d'Henri Matisse, deux siècles plus tard. Un tableau bien plus moderne du point de vue graphique, et pourtant la technique de représentation du mouvement est exactement la même. En sculpture, on peut représenter le mouvement comme en dessin, mais il y a aussi la technique du non finito qui est très expressive. Le non finito désigne des sculptures non achevées, que ce soit volontairement ou pas. Lorsque l'artiste choisit de faire un non finito, il laisse certaines parties. Et cela donne l'impression que la statue est en train de bouger et de sortir de la pierre. Technique imparable pour traduire le mouvement, que ce soit en peinture ou dans le dessin de BD, le flou. Dans la rue Saint-Denis, fête du 30 juin 1878, Claude Monet nous fait littéralement plonger dans un grand flou général. Les drapeaux et la foule s'agitent frénétiquement sous forme de touches de couleurs saccadées. Le mouvement l'emporte sur les détails grâce à ce flou si dynamique. Du 19e siècle n'a pas fait que bouleverser la vie économique et sociale de l'époque en projetant la société dans l'ère moderne. Elle a aussi inspiré toute une génération d'artistes fascinés par les machines mécaniques et la vitesse. Giacomo Balla n'a pas cherché à représenter une voiture, mais plutôt sa vitesse extrême à travers ses courbes et ses spirales qui s'envolent. C'est un tableau abstrait. Balla a traduit la sensation de vitesse, le tournoiement des roues de la voiture. Le réel est déformé comme pris dans la tourmente de la course. Autre exemple, très concret celui-ci, avec la photographie de Jacques-Henri Lartigue au début du XXe siècle. On y retrouve aussi une déformation qui suggère fortement la rapidité de l'action. Par un effet d'optique, les roues deviennent ovales et les spectateurs au second plan se retrouvent projetés dans une oblique. La voiture file comme le vent et laisse le reste loin derrière elle.
Le light painting, littéralement peinture en lumière, est une technique de prise de vue avec un appareil photographique. Le principe, on bouge une source lumineuse devant l'objectif de l'appareil, réglé sur une pose longue. La lumière laisse alors des traînées qui vont se fixer sur l'image. Un moyen très poétique de matérialiser le mouvement sur une image fixe. Enfin, comment parler de mouvement dans une image sans évoquer les ingénieuses astuces de la bande dessinée et du graffiti ? Artiste majeur de la scène de l'art urbain, Keith Haring s'est fait connaître avec ses personnages simplifiés à l'extrême et très expressifs. Outre les positions du corps qui suggèrent naturellement le mouvement, le graffeur est venu l'accentuer avec des petits traits qui indiquent que les membres sont en action. En bande dessinée, Jean Graton a beaucoup utilisé les traits, comme Keith Haring, mais sous forme de lignes droites. Des traînées qui indiquent la vitesse des voitures de course qu'il dessinait. Il a également eu recours aux onomatopées, qui ajoutent encore plus d'expressivité à l'image. Entre les techniques de line painting, de décomposition de mouvement, de répétition et j'en passe, vous disposez à présent d'une multitude d'outils pour représenter le mouvement dans une image fixe. Alors, voici votre défi de création artistique. Représenter une course-poursuite qui se déroule à toute vitesse. Mais avant de vous lancer, prenez le temps de bien réfléchir au concept de votre réalisation. Demandez-vous ce que signifie pour vous le terme course-poursuite. Des voitures qui filent à vive allure? Une course entre un bandit et un gendarme? Un chien qui pourchasse un chat? Ensuite, imaginez la scène. Comment allez-vous la représenter? En format vertical? Horizontal? Qu'est-ce que vous devez mettre en avant? L'action? La vitesse? Les personnages? Quel procédé plastique allez-vous utiliser pour représenter la sensation de grande vitesse? Pour cela, vous avez toutes les explications données précédemment. Et sous quelle forme allez-vous le faire? En dessin? En peinture? Une sculpture? Une photo? N'oubliez pas l'un des éléments clés de cette création. Il faut que ce soit une image fixe. Donc, les vidéos sont à proscrire. Bonne création à toutes et à tous!